Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, à part le temps, comme d'habitude. Je suis très... Enfin, je préfère la météo, mais je suis très sensible au temps, en fait, à la météo. Donc, comme pas mal de gens d'ailleurs, mais moi, c'est vrai que mon moral, il va souvent avec la météo, quoi. Quand il pleut, j'ai pas trop le moral. Quand il fait beau, voilà, j'ai super la pêche. Donc j'essaie de contrer ces énergies, mais c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué. Voilà, donc bah, aujourd'hui c'est grisâtre. Mais on fait avec. Bon allez, trêve de plaisanterie. On y va pour les énergies de la semaine prochaine. Donc je sais pas, du 4 au dimanche d'après. Je sais pas. Il y aura certainement les dates en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre comme d'habitude et on va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Alors, déjà avec l'énergie du tarot. Oh, 8 d'épée. On va peut-être en prendre une autre, hein, d'accord? 8 d'épée, c'est le mental qui est à l'œuvre, c'est l'impression d'être dans une situation compliquée et de ne pas arriver à s'en sortir. On tourne en rond peut-être. Voilà, on a l'impression d'être prisonnier ou prisonnière et finalement, on s'aperçoit si on regarde bien le dessin là, ici, la symbolique, c'est que bah, la sorcière qui est emprisonnée, c'est un lien qui est assez lâche, elle peut se sortir de là à partir du moment où elle va enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux, donc voir clair sur la situation. Ici, elle a une aide, d'accord, avec le petit chat qui est en train déjà de pousser une épée pour qu'elle puisse sortir. Donc ici, on voit bien que ce 8 d'épée, c'est pas une situation dans laquelle vous êtes complètement bloqué, c'est une énergie en tout cas, hein, qui peut vous sembler difficile, lourde à porter, vous faire ressurgir dans votre mental peut-être des idées un petit peu négatives ou des peurs aussi, hein, la peur de sortir aussi, hein, la peur de sortir de là où vous êtes, la peur d'avancer. Ça peut être plein de choses en fait, hein, cette semaine. Alors là, j'ai trop de cartes. Peut-être pas me donner une deuxième carte, je sais pas. Trop de cartes encore, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Juste une carte. De coupe, génial. Alors génial, c'est génial parce que pourquoi? Parce que 10 de coupe, ça représente la famille, ça représente un état émotionnel de bien-être, ça représente une belle unité intérieure. Ici, on est dans l'amour, on est dans le partage, on est dans la communication, on est dans les émotions ici. Donc peut-être effectivement qu'on se sent bloqué, hein, on peut se sentir cette semaine un peu bloqué dans ses émotions, mais ce que l'on voit avec ces deux cartes, c'est qu'on va peut-être vers ce 10 de coupe, on progresse hein, ici, et on a juste peut-être son regard à changer ou juste à enlever un petit peu le bandeau qu'on a sur les yeux pour pouvoir voir que finalement, on n'est pas si mal que ça. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu au niveau des oracles comment ça se matérialise. Et on va d'abord prendre le petit message, petit conseil pour cette semaine. Alors, il est déjà tombé. Hiberne et régénère. Donc ici, on vous dit bien que... Alors, on rentre dans l'hiver, on va rentrer dans l'hiver dans pas longtemps, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, non, mais ici on vous dit seulement de prendre un temps de pause, de bien analyser les situations, parce que ce temps de pause vous permet eh bien de reprendre des forces et peut-être d'observer les choses différemment, d'accord? Voilà, il y a peut-être un besoin cette semaine de prendre un temps de pause, de réflexion par rapport à une situation dans laquelle eh bien, vous vous sentez, alors c'est une situation émotionnelle, d'accord? Ici, on reste dans l'émotionnel, une situation qui est peut-être un peu compliquée pour vous. Ici, entourez-vous peut-être, hein, on voit bien, entourez-vous de cristaux, faites appel à la lithothérapie si vous avez, si vous voulez, pour essayer de reprendre des forces, d'essayer de vous ressourcer, porter des pierres, voilà,
Bon, j'en ai pas mal sur la table, j'en ai pas sur moi, mais bon, voilà. Ici, on vous dit simplement de prendre un temps de pause pour pouvoir vous ressourcer et peut-être simplement vous apercevoir que vous n'êtes pas si enfermé que ça dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Alors, on va aller voir avec l'oracle intérieur, justement, quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez cette semaine au niveau de votre intérieur? Bon, ça saute. Alors, déjà la carte des blocages, mais il y avait une autre carte avant. On est bien dans l'émotionnel, d'accord? Alors, c'était comme ça. On est bien dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau émotionnel, d'accord? Donc, ça peut être ici votre propre épanouissement, d'accord? Le fait que vous ayez du mal à gérer vos émotions, le fait que vous ayez du mal à gérer votre morale aussi, hein, voilà. Donc, moi, tout à l'heure, je vous parlais de la météo, hein, je vous parlais du temps. Voilà, ça fluctue. Donc, bah, quand il y a le soleil, ça va. Quand il n'y a pas de soleil, ça ne va pas. Vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est un peu en dents de scie. Donc, il y a certainement des blocages. Mais bon, la carte de la santé, pour moi, c'est quand même une amélioration à ce niveau-là, au niveau peut-être d'une relation. Hein, on peut voir ça aussi comme ça. Il y a un domaine ici qui est du domaine du cœur qui s'améliore. Peut-être que vous arrivez justement à dépasser les blocages. On va voir, je vais mettre des cartes dessus. Ouais, il y a vraiment un blocage ici. Hein, il y a vraiment un blocage. On cherche des solutions, d'accord? On cherche des solutions pour s'alléger le moral, pour s'alléger un peu le mental là, qui est très présent. Il y a des idées un petit peu négatives, des blocages émotionnels, des peurs peut-être. Hein. Ici, je ressens qu'il y a de la peur peut-être. En tout cas, ce qu'on trouve, on trouve des opportunités et des solutions pour améliorer cette situation, d'accord? Pour se sortir du mental. La carte centrale, c'est la carte de la dépendance, c'est la carte des addictions, c'est la carte des idées, des peurs un peu négatives, là, d'accord? Ici, on voit que vous allez puiser dans vos ressources physiques pour pouvoir vous sortir de cette situation mentale, d'accord? Donc, évidemment, là, ici, on est dans cette carte, hein, avec du fait d'hiberner et de se régénérer, de prendre un temps de pause justement pour pouvoir retrouver la légèreté. Ici, peut-être que la solution, c'est de sortir. Sortir un petit peu, vous aérer l'esprit, aller vous balader, aller sortir avec des amis, voilà, aller faire la fête si vous pouvez, d'accord? Parce qu'on sent ici que effectivement, alors il y a des choix à faire et vous avez besoin peut-être de vraiment de calmer votre mental et puis de prendre un temps de pause pour essayer de calmer ce mental. Voilà. Parce que ben, c'est quelque chose qui peut dominer cette semaine et vous allez avoir du mal peut-être à gérer vos émotions et vos ressentis. Alors, on va aller voir avec le tirage. Voyez, il y a une sorte de bilan à faire par rapport à un engagement. Voyez, certains d'entre vous ont certainement un bilan à faire par rapport à un engagement, un contrat de travail, un engagement relationnel, quelque chose. Il y a besoin de retrouver un équilibre, de peser le pour et le contre par rapport à la situation. D'accord? Ouais, on parle bien des. Alors, on parle bien ici de vos ressentis. Hein, d'accord? Donc, faites appel à vos ressentis, faites appel à votre cœur, faites appel à vos émotions pour pouvoir peut-être faire ce bilan par rapport à cet engagement, par rapport à cette relation, par rapport à ce contrat, hein, d'accord? Il y a peut-être ici un choix de cœur à faire, hein. C'est possible. Bon, décidément, ça veut parler. Il y a un lien. Il y a vraiment. Alors, soit on peut essayer de se relier, d'accord, mais il y a un lien ici. Hein. Il y a un lien entre deux personnes. Il y a un lien entre un lien émotionnel avec soit ça peut être un partenaire aussi professionnel, hein, d'accord? On reste dans le général quand même, on n'est pas dans le sentimental. Enfin, on peut l'être, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Donc ici, on peut parler de partenariat, d'association. Peut-être c'est aussi le fait d'être relié à une direction que l'on veut prendre, d'accord? Ici. Bon, ça veut pas, ça parle tout le temps, ces cartes. Elles veulent pas aujourd'hui que je fasse le tirage, je crois. Il y a trop de choses à dire, peut-être. Je ne sais pas. Certainement, parce que ça n'arrête pas de sauter.
Oui, le temps de pause, il est là, hein, d'accord? Le temps de pause est là, le temps de... on attend la bonne occasion ici. Il y a une bonne occasion qui peut se présenter. Peut-être que justement, on va avoir l'occasion de sortir de l'attente. On attend une opportunité. Vous voyez comment ça résonne. Allez, on y va parce que sinon... Alors, à la coupe, on a de nouveau l'épanouissement et la carte de l'aide de l'ange. La carte de l'ange, ici, peut signifier peut-être un soutien. Alors, ça peut signifier plein de choses, mais ici, peut-être que vous avez besoin d'un soutien par rapport à... pour vous épanouir. Vous avez besoin d'être accompagné dans votre épanouissement. Donc peut-être ici qu'il y a un problème vraiment de mental, mais peut-être par rapport à une solitude, par rapport au fait d'être dans des énergies un peu basses, vous voyez. Et ici, il y a besoin peut-être de se faire aider. Alors, on peut se faire aider par ses amis, on peut se faire aider par son partenaire de vie, mais il y a besoin d'une aide ici, je pense, pour redémarrer quelque chose, pour aller mieux, d'accord? Pour avoir de nouvelles opportunités, pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle association, pour démarrer une nouvelle relation, je ne sais pas, voyez comment ça peut parler. Ici, on voit bien que votre épanouissement est protégé aussi. C'est la carte de la protection divine. C'est la carte de la protection, de l'accompagnement. Voilà, vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé pour aller vers votre propre épanouissement. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Donc ici, pour redémarrer quelque chose, suite à peut-être effectivement des choses un petit peu négatives qui vont vous traverser l'esprit cette semaine, on voit que voilà, vous êtes accompagné. Donc si ce n'est pas... par vos amis, par votre partenaire de vie, par votre famille. Ici, on voit que vous êtes guidé, en tout cas, pour prendre peut-être les bonnes directions, la bonne direction pour prendre les bonnes décisions, pour vous épanouir pleinement. Et ça peut être effectivement par vos guides, par vos anges, par le monde subtil. D'accord? Allez, on va garder la carte de l'épanouissement de toute façon, parce que c'est ça qui va être prioritaire. C'est votre épanouissement cette semaine. Vous allez vers ça, vous allez vers un mieux. La carte centrale, allez, de nouveau le bilan. Ici, on est dans vraiment le fait de faire ce bilan par rapport à soi-même, par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on ressent, dans la direction dans laquelle on veut aller. On pèse le pour et le contre par rapport à peut-être, on va voir par rapport à quoi. On veut ce 10 de coupe. Pour moi, la carte de l'épanouissement ici, cette semaine, c'est le 10 de coupe. C'est-à-dire, c'est le fait d'être bien, le fait d'être dans le partage, dans l'amour, dans la convivialité, dans les réunions de famille, voyez, dans l'amour, l'amour dans le couple, l'amour dans... voilà, on est dans les émotions ici. Donc, on veut un épanouissement ici, un épanouissement dans l'amour. Voilà. Ici, on fait vraiment un bilan. Il y a vraiment ici, on pèse le pour et le contre par rapport à un contrat. Tout à l'heure, on l'avait déjà eu. Mais ici, on pèse vraiment le pour et le contre. On essaie de voir si c'est bien, si c'est pas bien, si on veut y aller, si on ne veut pas y aller. Voilà, on s'interroge sur ses sentiments. Alors, ça peut être ses sentiments dans un couple, ça peut être par rapport à un contrat aussi professionnel, pourquoi pas, hein? Ici, on reste dans l'émotionnel, on reste dans les ressentis. Donc, on a besoin de faire un bilan pour savoir dans quoi on va s'épanouir. Est-ce que l'engagement ici qui est là, qui arrive, l'opportunité, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un nouveau contrat de travail, soit c'est un nouveau projet personnel, soit c'est une relation déjà existante, vous voyez, un engagement que vous avez pris. Est-ce que... ça m'emmène vers mon épanouissement personnel. Et c'est là tout l'intérêt de faire ce bilan. Alors, ça peut être un contrat professionnel, hein. Ça peut vraiment, ici, on peut être dans le matériel. Mais c'est quelque chose qui est important. La carte de l'argent, pour moi, c'est l'abondance aussi, hein. C'est quelque chose qui peut être riche.
C'est un contrat, c'est une union, c'est un engagement qui vous apporte ici de la richesse. Et si ce n'est pas de la richesse financière, ce n'est pas des sous, ça, c'est un enrichissement au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Ici, on voit bien que l'engagement qui est là, la chose officielle quelque part pour vous, hein, dépend de votre cœur et c'est important au niveau de votre cœur. Il y a une, pour moi, il y a une reprise de confiance suite à cette analyse ici. Il y a peut-être une reprise de confiance déjà en vous-même, dans vos sentiments. Parce que j'ai l'impression ici que ce que je ressens, c'est qu'il va falloir faire... Vous vous posez des questions sur vos propres sentiments, sur ce que vous ressentez, sur la manière dont vous voulez vous épanouir, que ce soit seul ou que ce soit en couple ou que ce soit dans un contrat professionnel ou que ce soit une association professionnelle. Ouais, voyez comment ça parle. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous avez ces interrogations ici à mener cette semaine, en tout cas. Mais on voit que... Voilà, vous reprenez confiance peut-être justement dans vos ressentis. Vous reprenez confiance suite à ce bilan, hein, vous reprenez confiance dans votre jugement, j'entends. Vous reprenez confiance dans vos capacités à ressentir les choses. Ici, c'est la connexion aussi avec l'univers, hein, d'accord? C'est le fait de reprendre confiance en l'univers aussi. Donc, il y a une sorte, encore une fois, de protection sur cet engagement, sur cette relation. Il y a peut-être une relation karmique ici, hein, on peut parler de ça. Donc, possiblement, en tout cas, il y a des réflexions autour de cet engagement. On attend. Alors, soit on attend de cet engagement, on attend quelque chose, on attend de s'épanouir dans cet engagement, tout simplement. Soit ici, on est dans l'observation, parce qu'on est en train de faire ce bilan. D'accord? Ici, le banc, c'est on se pose. Hein? C'est bien cette carte, hiberner et se régénérer. On se pose pour reprendre confiance, on se pose pour faire un bilan. Opportunité, ouais, on puise dans ses capacités, dans ses compétences ici. On puise à l'intérieur de soi pour aller s'épanouir, pour prendre une décision, pour gérer la nouvelle opportunité qui se présente à nous. D'accord? Ici, pour moi, il y a une nouvelle opportunité. Alors, une opportunité de s'enrichir, une opportunité de prendre un engagement, d'améliorer un engagement. Vous voyez ce que vous mettez derrière engagement, hein? Ça peut être, voilà, ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter, mais c'est ça. Donc ici... On voit bien qu'il y a une opportunité peut-être d'aller vers cet épanouissement. Mais il y a besoin de réflexion. Il y a besoin de prendre un temps de pause par rapport à ça pour être sûr de prendre la bonne décision. Cet engagement est protégé. Cet engagement va vers l'abondance. C'est vraiment ici. Vous voulez réfléchir pour moi pour être sûr de vraiment apporter quelque chose de mieux à cet engagement. Pour être sûr de faire les choses correctement et dans l'amélioration. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça paraît compliqué, hein, parce que il y a un mental qui est quand même très présent. Il y a un mental qui est très présent. Mais vous allez vers le chemin de la guérison. Pour moi, il y a une amélioration, d'autant plus que la carte d'après, c'est la carte du Carpe Diem, la carte où eh bien, vous profitez justement peut-être de cette guérison, le fait d'arriver à gérer votre mental et d'arriver à vous épanouir dans cet engagement. D'accord? Donc, il y a la carte du Carpe Diem, donc on en profite et on retrouve ici sa stabilité. On retrouve la solidité de l'engagement, de l'union, de la relation, du partenariat. Voyez comment ça parle, d'accord? Mais on retrouve ici force, on retrouve une stabilité. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est nécessaire de prendre du recul, de réfléchir pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu, peut-être... D'autres renseignements, comment va se passer cette semaine? Oh,
carte de l'amour qui tombe. On est vraiment dans le 10 de coupe. Hein. C'est quand même hallucinant cette semaine. On est dans les sentiments, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans l'accueil, le partage, voilà, des sentiments qui sont très positifs quelque part. Hein. Donc, c'est bien. Bon, la culpabilité, je ne sais pas pourquoi. Bon, ici, j'ai l'impression que par rapport à, alors, soit des sentiments amoureux, soit quelque chose qui vous tient à cœur, parce que l'amour, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être un cadeau de l'univers, ça peut être quelque chose qui vous revient, d'accord? Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose que vous considérez comme vous, comme un cadeau, d'accord? Vous vous sentez coupable par rapport à ça parce que, alors parce que je ne sais pas pourquoi vous vous sentez coupable, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous allez réussir à dépasser ce sentiment de culpabilité par rapport à ça. C'est comme si vous avez une récompense cette semaine, comme si vous arriviez enfin à atteindre vos rêves, à atteindre votre objectif, mais que vous vous sentiez coupable de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, il y a besoin de dépasser. Et je pense que vous allez le faire. C'est comme si vous rattrapiez un peu le retard que vous aviez pris. D'accord? Alors, ça peut être professionnel, hein, ici. Il se peut que vous ayez un cadeau, une promotion, par exemple, professionnelle, ou que vous trouviez du travail. Ou... Mais il y a ce sentiment de culpabilité ou d'être jalousé quelque part aussi. Parce qu'on voit hein, ces doigts qui montrent là, on peut se sentir jalousé ou on peut vous montrer du doigt parce que professionnellement, je ne sais pas, vous avez eu un cadeau de votre hiérarchie ou une promotion ou un autre travail, enfin voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous allez réussir à dépasser ça. Hein. Ici, il y a une belle victoire professionnelle, c'est sûr, pour certains. C'est quelque chose qui arrive un petit peu sur le tard. C'est quelque chose que vous attendiez peut-être, mais ça va vous permettre de rattraper votre retard. Si c'est une relation amoureuse, peut-être que le fait de... Alors, ça peut être tout simple. Ça peut être on vous jalouse ou on vous montre du doigt parce que vous avez une super rencontre. On est un peu, il y a de la jalousie derrière. Voilà, ça peut être ça. Bon, ça peut être ça. Ou ça peut être simplement le fait que vous soyez bien dans votre relation amoureuse. Et là, à ce moment-là, oui, on peut vous jalouser par rapport à ça. Il y a cette notion de culpabilité quand même, mais j'ai l'impression que c'est plutôt que vous arrivez à quelque chose qui est de l'ordre d'une atteinte d'objectif, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un milieu professionnel, pour un travail, que ce soit pour un projet personnel, et que quelque part ici, ben, on vous montre du doigt, quoi. On vous dit, ouais, je ne sais pas ce qu'on pourrait vous dire, hein, mais... ouais, elle a réussi, oui, il a réussi, il a eu une promotion, moi j'en ai pas eu, c'est parce qu'il a, oui, enfin bon, je sais pas, c'est ce style de choses que je ressens en tout cas, mais bon, voilà, il y a cette notion de toute façon d'avoir travaillé pour cet objectif et de ne pas se sentir coupable justement, parce que vous avez travaillé à avoir ce cadeau, c'est un cadeau certes, mais c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, quel que soit le cadeau que vous recevez. Hein? Allez, on va aller faire le tirage. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Alors, à la coupe, on a le bouclier et l'évolution. Ici, pour moi, il y a vraiment, c'est votre évolution. C'est le fait que vous, alors que déjà, il y a une protection sur votre évolution, quelle que soit l'évolution que vous faites cette semaine, quel que soit le domaine auquel vous avez pensé quand vous avez pensé évolution, on voit bien que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a aussi vous qui vous protégez, c'est comme si vous protégiez en fait l'objectif à atteindre, vous protégiez le projet que vous voulez mettre en place.
vous protéger, je sais pas, la relation que vous avez aujourd'hui. Voyez, c'est un peu ça ici. On se protège, on protège sa propre évolution. Regardez, on a le miroir magique et la famille. Hein, tout va bien, hein, franchement. La famille, c'est votre ancrage, c'est le fait d'être stabilisé dans une situation, c'est votre évolution, d'accord? Alors ça peut être une évolution par rapport à votre famille, certes, mais la famille, c'est le 10 de coupe, d'accord? Donc, on est encore dans cette mouvance-là. Bon, ça va mieux, hein? Ça va mieux. Il y a des réussites. Voilà, on évolue, d'accord? Et on se protège. On protège l'évolution. Donc, je ne sais pas, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, vous pourriez, par exemple, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça au milieu professionnel. Vous pourriez concentrer votre attention sur votre travail, être minutieux, faire les choses pour que justement votre évolution se passe de la meilleure façon possible. Vous voyez, donc on reste concentré sur ce que l'on veut. Si c'est relationnel, ici on protège sa relation. On fait en sorte que on aille vers ce 10 de coupe. D'accord? On est vraiment dans la protection ici. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est la réussite, c'est le succès. J'ai bougé un peu la caméra parce que du coup, les cartes sont plus grandes. Voilà, c'est mieux. Alors, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'abondance quelque part. Hein, d'accord? C'est la même carte que les pièces de monnaie sur l'autre jeu. Donc ici, on voit que, eh bien, vous êtes protégé. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la bonne évolution, dans la bonne direction, d'accord? Il y a une notion vraiment de récolte ici. Alors, je vais continuer. Joie, fécondité. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a une notion de comprendre les choses, de comprendre déjà ce que vous voulez. C'est pour ça que vous vous protégez, parce qu'il y a une notion de voir clair sur votre objectif, sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce qui vous procure de la joie, d'accord? Ça peut être une union, ça peut être... Ici, on voit clair peut-être sur une relation, par exemple, qui démarre, d'accord? On veut l'emmener vers l'abondance. On se sent bien. On se sent protégé. Et du coup, on voit clair sur peut-être tous les imprévus qui pourraient arriver ou sur... on dépasse quelque part... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez dans une sorte de fatalité. De négativité peut-être, d'accord? La fatalité, c'est des choses qui vous tombent dessus, qui ne sont pas spécialement positives, des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et finalement, ici, vous vous apercevez que eh bien, vous allez plutôt récolter maintenant par rapport à des par rapport à cette fatalité qui vous accompagnait jusqu'à maintenant, d'accord? Vous retrouvez la joie, vous retrouvez... Alors, il y a une notion de réconciliation aussi, mais il y a une notion... Alors ça, c'est quelque chose que j'entends. Il y a une notion d'être guidé. La fatalité, ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Voilà. C'est quelque chose que l'univers vous envoie. Vous êtes poussé à faire des choses. D'accord? C'est ça la fatalité pour moi ici, dans ce tirage. Et du coup, bah, ça vous permet d'éclaircir une situation, ça vous permet de démarrer quelque chose. Il peut y avoir des réconciliations, en tout cas des succès. Il peut y avoir des partenariats, des nouveaux projets qui se mettent en place, un nouveau travail. Voilà, vous êtes ici protégé. Vous êtes guidé dans la bonne direction et en même temps, vous êtes protégé.
Il y a ici des démarrages, hein, d'accord, ici, mais c'est des choses que vous, c'est drôle parce que c'est vraiment ce que j'entends ici, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais ça vous apporte vraiment le succès, ça vous apporte le retour, je sais pas le boomerang, mais pour l'instant, mais c'est le retour de peut-être de ce que vous avez commencé il y a quelque temps, vous voyez? Et vraiment ici, on vous sent, enfin, on vous sent soutenu. On vous sent accompagné. Donc, ça peut être par vos amis, hein, ça c'est possible. Ça peut être une relation simplement de soutien. Mais en tout cas, sur votre nouveau démarrage, sur votre nouveau départ, sur le début de quelque chose, d'un nouveau travail, d'un nouvel engagement, d'un nouveau projet, quel que soit ce que vous démarrez cette semaine, on voit bien que ça vous apporte la joie et vraiment le fait d'être soutenu dans le projet. D'accord? Ah, et encore la carte de la jalousie quand même, hein? D'accord? Ici, on voit que vous œuvrez pour des changements. Il y a des changements qui se profilent à l'horizon. D'accord? Soit sur une relation, soit sur un projet, soit sur un partenariat. Voyez ce que vous démarrez cette semaine, hein? Voyez ce vers quoi vous allez, votre objectif. Mais c'est que du bénéfice. C'est que des choses qui bougent. Voilà, il y a des choses qui bougent ici. Donc, évidemment, attention à la jalousie. Donc, je ne dis pas de la jalousie de vos amis parce que sinon, ce n'est pas des amis. Voilà. Mais voilà, il y a peut-être un entourage qui va pas être forcément très heureux de votre succès. Parce qu'ici, on parle de succès. Donc, il y a possiblement des rentrées d'argent, ça c'est sûr. Il y a des réconciliations pour moi ici. Il y a des nouveaux départs. Il y a des nouvelles rencontres, amitié, d'amitié. Il y a des nouvelles rencontres dans le soutien. Il y a des nouvelles rencontres possiblement aussi dans l'amour, c'est possible. On ira voir avec le sentimental tout à l'heure. Mais attention à votre entourage, attention aux énergies. Alors ici, la jalousie, ça peut être aussi comment dire, les énergies toxiques, d'accord? Toutes les pensées négatives, tout ce qui peut engendrer un petit peu, ça peut être le 8 d'épée, tout simplement, ici, les jalousies. D'accord? Ça peut être vous aussi, ça peut être vos peurs à vous par rapport à la nouveauté, par rapport des peurs par rapport à ce succès. Parce que c'est un succès que vous ne contrôlez pas finalement. C'est comme si cette semaine, vous alliez avoir vraiment une grande joie, une grande réconciliation. Un grand projet qui démarre, quelque chose de vraiment très bénéfique pour vous. Et puis, du coup, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc, ce sentiment de culpabilité de dire, mais comment ça se fait que ça m'arrive? Parce que, voilà, ça vous tombe dessus comme ça. C'est aussi ça, la fatalité, c'est le fait que ça vous tombe dessus et que vous n'avez rien demandé. Et du coup, ça peut engendrer des jalousies de la part de votre entourage, mais aussi peut-être la peur. De pas savoir, de pas comprendre la situation. Pourtant, ici, vous la comprenez quand même. Ici, il y a quand même une notion de voir clair, hein. Mais ça peut justement, le fait de ces changements, ça peut générer ces peurs, hein, la peur de. Vous voyez peut-être clair sur le 8 d'épée, sur qu'est-ce qui vous fait peur, justement. Vous voyez clair là-dessus. Et du coup, ça vous permet de faire des changements. C'est comme si, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes guidé à faire quelque chose, vous êtes guidé à aller vers quelque chose de plus positif pour vous, que ce soit dans n'importe quel engagement que vous prenez ou dans n'importe quel projet qui commence, ou n'importe quel partenariat ou réconciliation. On est poussé à le faire, mais le fait d'être poussé, de ne pas pouvoir contrôler où vous allez et que tout se passe bien, eh bien ça vous fait peur. Et ça, vous allez réussir à le comprendre. Et du coup, peut-être que vous changerez d'avis. Peut-être que, justement, vous allez accepter cette réussite comme étant votre cadeau. On l'a vu tout à l'heure. D'accord? Il y a le miroir magique après, hein? Donc, vous êtes protégé ici. Pour moi, vous êtes protégé. Et après, la santé. Donc, voilà. L'équilibre après, avec la loi. D'accord? Vous avez le monde à portée de main. Donc, tout va bien. Tout va bien. Cette semaine, tout va bien. Mais ça vous fait peur. C'est fou, hein, quand même, hein, ça. Bon. Allez, on va aller voir un peu le domaine sentimental, on va voir ce qui se passe. Enfin, sentimental, relationnel, voyez, hein. C'est pas forcément que sentimental.
Oh là, eh ben. Alors, créativité, amour, déménagement. Ça bouge. Ça bouge au niveau amoureux. Ça bouge au niveau des énergies sentimentales. Ça bouge au niveau de vos ressentis. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est quelque chose qui avance. Alors peut-être qu'effectivement il y a des déménagements, c'est possible, hein, c'est voilà, c'est quand même marqué déménagement. Ça bouge. Pour moi, c'est pas vraiment un déménagement. On est dans le relationnel ici, donc on va y rester. Mais c'est plutôt le fait que les choses bougent, d'accord? La créativité ici, dans le domaine sentimental, c'est le fait qu'il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de... C'est droit, c'est tout droit pour vous, d'accord? Vous êtes dans l'espérance, vous êtes dans les ouvertures. Ici, c'est le fait de d'accepter une situation sans y mettre d'agressivité, en y mettant plutôt justement de la créativité. Ici, c'est il y a une transformation. Vous voyez ce peintre qui transforme sa toile, c'est un peu ça ici. Donc il y a forcément une relation amoureuse qui se transforme, qui bouge. Pour moi, il y a vraiment une transformation dans une relation, à condition de laisser libre cours à cet amour, à condition de ne pas vouloir être complètement dans le contrôle et puis de ne pas brûler les étapes. Voilà, d'y aller petit à petit, d'accord? Donc, je vais continuer à mettre des cartes dessus. Alors, j'ai la carte de la stabilisation, je l'ai vue, donc je pense qu'il fallait que je la voie. Donc, ça peut vous amener ici... Vous voyez, la réussite, le cadeau, pour moi, c'est ça. Mais c'est de ne pas... accident, pour moi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, encore une fois. Comme si vous étiez guidé dans cette relation, comme si vous étiez... que c'était obligé que les choses changent, que vous ne pouviez pas faire autrement que d'aller vers la réussite. D'accord? Pour moi, il y a... Voilà, c'est... C'est un cadeau, hein, voilà, c'est un cadeau de l'univers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors, à condition, effectivement, de prendre son temps, à condition de mettre plutôt des énergies positives dans ce qui arrive, dans ce... L'accident, c'est quelque chose d'imprévu, hein, c'est quelque chose qui... Voilà, ça peut être une nouvelle relation qui vous arrive et puis vous vous demandez ce qui se passe, ça peut être ça, ça bouge, hein, mais en tout cas, vous allez vers la réussite et le succès, hein, d'accord? On va faire le tirage, on va voir ça. On a la carte de l'abondance qui sort. Voilà, vous allez vers l'abondance. Cette semaine, ça ressort hein, quand même. On va tous vers un 10 de coupe. J'espère que ce sera pour la majorité d'entre vous. Mais vraiment, ici, on sent que les énergies sont quand même extrêmement positives. Allez, on va faire la coupe. Alors, on a le travail et on a la guérison. Vous voyez, le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça vous emmène vers la guérison. Le travail, c'est évidemment le travail sur le domaine émotionnel, sur le domaine affectif, hein, sur les ressentis que vous avez, les émotions. C'est ce travail. Alors, bon, femme, bon, il y a peut-être des énergies un petit peu négatives qui peuvent interférer dans votre travail de guérison. Il se peut ici, ce que j'entends, c'est que vous pourriez essayer de... enfin, vous êtes en train de travailler à la guérison, peut-être la guérison de votre couple, par exemple, ou la guérison de votre propre guérison émotionnelle. Il se peut ici que ce soit un peu... Il y a une interférence... comment on dit ? Interférence de la part d'une femme, d'accord ? C'est possible. Bon, on va voir peut-être. On va peut-être voir s'il y a des confirmations dans le tirage.
Alors, vous méfiez pas de toutes les femmes qui passent, hein, parce que c'est pas forcément. Ça peut être simplement des petites énergies négatives. Hein, qui, bon, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ou une rencontre. Ça peut être une rencontre dans le travail, d'ailleurs, pourquoi pas, ici. Hein, voilà, sur le milieu de votre travail, c'est possible. Famille, maladie, envoûtement. Ouh, ça se gâte. Choix. Bon. Ici, on parle bien, pour moi, du travail que vous effectuez et des choix que vous allez faire par rapport à votre rencontre ou à votre union. D'accord? Ici, on a la carte de la rencontre, mais c'est de l'association. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, mais ça peut être aussi le couple dans lequel vous êtes. Hein, ça reste général. Mais ici, on voit bien qu'il y a quand même peut-être du stress, il y a peut-être ici des dépendances, il y a peut-être des énergies négatives ici qui demandent de votre part de faire un choix, d'accord? Ça peut être vous aussi, hein? Ça peut être le 8 d'épée, ça, hein? D'accord? Vous avez des pensées récurrentes, vous avez des peurs, et ça vous emprisonne quelque part, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche ici soit de faire un choix, c'est possible, parce que vous avez un choix à faire peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être des peurs, c'est ça, ici on vous dit ça, vous avez des peurs par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer et du coup, bah, vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous y allez dans cette rencontre ou pas? Est-ce que, voilà, vous semblez un peu perdu, on peut être un peu perdu ici. Soit c'est dans votre relation actuelle où, eh bien ici, vous avez toujours ces peurs, ce 8 d'épée qui vous fait, où vous avez l'impression d'être dans une situation qui est bloquée, d'accord? Alors ça peut, bon, famille, pour moi, c'est le fait de votre stabilité, d'accord, ici. La famille, pour moi, c'est votre équilibre, c'est votre stabilité, d'accord? Je vais quand même regarder, mais c'est l'ambiance que vous voulez. Famille, c'est le 10 de coupe. C'est ce que vous voulez, en fait, à travers la rencontre que vous venez de faire ou à travers l'union que vous avez aujourd'hui, d'accord? Sauf que, attention, parce qu'effectivement, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de travailler sur vos peurs, vous avez besoin de travailler sur les doutes que vous pourriez avoir, sur la relation, sur la nouvelle relation, l'union que vous avez aujourd'hui. Peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à cette union, par rapport à cette rencontre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous semblez perdu, savoir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Parce que ici, la famille, ça représente peut-être votre idée personnelle de ce que vous voulez au niveau de cette rencontre. L'idée personnelle que vous vous faites, en fait, du bonheur familial ou du bonheur du couple, de la relation. D'accord? Mais ici, du coup, ben, ça peut vous faire peur. Voilà. On peut être ici dans des peurs par rapport à vos attentes. Ben voilà, espérance. D'accord? Les attentes que vous avez au niveau... c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Je vais quand même retourner ça. Hiver. Vous avez des attentes ici concernant... votre famille, concernant la relation, concernant les relations que vous pouvez avoir, vous avez des attentes ici, d'accord? Soit c'est par rapport à une seule relation, votre relation actuelle, soit c'est par rapport à une relation que vous venez de rencontrer. Y a vraiment des peurs ici, hein. Je vais continuer de retourner, mais alors perte, abondance. Vous allez quand même vers l'abondance. C'est ça qui... moi, je pense ici que vous avez peur de perdre quelque chose. Alors, soit vous avez peur de perdre l'idée que vous faites de la relation, parce que ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de vivre. Soit vous avez peur de perdre votre stabilité, soit vous avez peur de perdre... voyez ce que vous avez peur de perdre, en fait, en allant à la rencontre de quelqu'un ou en allant ici...
dans cette union, dans ce projet d'union en fait. Vous attendez quelque chose, mais en même temps, vous avez peur de perdre autre chose. Il y a vraiment beaucoup de peur. Je pense que c'est vous ici. Hein. Ce n'est pas du tout par rapport à quelqu'un qui peut vous porter du tort ou quoi. Je pense que quelque part, vous avez des peurs ici. On est dans ce 8 d'épée là. Vous êtes bloqué dans une situation parce que vous avez peur de perdre peut-être la personne concernée, la relation concernée. Et en même temps, vous avez peur de perdre l'idée que vous vous faites. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a certainement ici une idée que vous vous faites du couple ou de la relation ou de la famille. Enfin, voilà, peu importe. Et ici, vous avez la réalité. Et vous avez peur de perdre et l'un et l'autre. Parce que, vous, voilà, il y a un choix à faire peut-être. Il y a un choix entre vos rêves et peut-être et la réalité de ce que vous avez. D'accord? Et peut-être que c'est ça qui est difficile. Pourtant, vous allez vers l'abondance. Hein. Le choix que vous faites vous emmène vers l'abondance. Vous avez besoin de travailler en tout cas sur vos peurs ici. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est cette semaine. Parce que vous allez vers quelque chose qui va être, qui est du domaine du succès, qui est du domaine du 10 de coupe. Ce n'est pas forcément complètement ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément complètement l'idée que vous vous faites. Mais... ça vous emmène vers l'abondance. Donc pour moi, il y a vraiment ici une notion de travailler sur vos peurs, hein, sur le fait de perdre peut-être quelque chose par rapport à la situation que vous connaissez aujourd'hui. D'accord ? Quelle que soit la situation. Rencontre, pour moi, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, c'est la situation d'aujourd'hui. Donc il y a certainement des choix à faire, mais vous allez de toute façon vers l'abondance. Alors après, il y a la carte de l'hiver qui peut parler de la saison d'hiver. Effectivement, on peut parler voilà, de temporalité ici. Hein. C'est quand même de ça qu'on parle. On peut parler aussi d'une période peut-être qui a été difficile pour vous, que vous avez traversée, une période de désert affectif peut-être, hein, au niveau familial, au niveau relationnel. Mais vous avez toujours cette espérance de l'abondance. D'accord? Mais il y a besoin de travailler ici. Sur tout ce qui peut être énergie négative, hein, ce qui vraiment vous empêche d'avancer parce que ça n'est que du mental pour moi. C'est vraiment presque de l'auto-envoûtement par rapport au stress que vous pouvez avoir, par rapport aux peurs. Voilà, vous devez travailler là-dessus, d'accord? Alors du coup, ici, la femme, bah, elle peut vous représenter ou représenter l'homme. Hein, on est dans un tirage général, mais en tout cas, on voit que vous devez travailler, d'accord? Voilà pour cette semaine. Donc, de l'abondance, de la richesse, du mieux dans votre vie, à condition de dépasser ses peurs. C'est toujours la même chose, en fait, hein, quelque part. On peut, de temps en temps, s'auto-saboter, quelque part, parce que on a des impressions, on a des fausses idées, on a des croyances qui nous limitent, on a des peurs qui nous empêchent d'avancer. Et du coup, ben ça nous ralentit forcément dans notre développement de nous-mêmes et dans notre épanouissement. Allez, on va aller redorer un petit peu notre estime de nous-mêmes. On va prendre ces deux conseils. Chaque semaine, je m'applique à réaliser un des éléments de ma liste de projets et de rêves. Et on était en train de parler justement de rêves et de projets. C'est souvent plus facile que nous ne le pensons, car les désirs irréalisables masquent ceux que l'on peut concrétiser, comme quelques grands arbres cachent parfois la forêt. C'est vrai que parfois, c'est assez intéressant de le concrétiser, de faire une liste des rêves que l'on a. On fait bien une liste de courses, donc pourquoi pas une liste des rêves que l'on peut avoir. Et puis finalement, dans chaque semaine, d'en réaliser un. Alors évidemment, il peut y avoir des grands rêves, d'accord, parce que c'est des choses à long terme. Je sais pas, aller sur la Lune, par exemple, ou des choses que vous ne réaliserez jamais, mais qui vous font rêver, tout simplement. Mais vous avez des petits projets, des petits rêves, je sais pas, aller s'inscrire dans une salle de sport, aller au restaurant, rencontrer quelqu'un de nouveau, je sais pas, des petites choses comme ça, des petits éléments qui vont faire que, eh bien, ça va vous permettre d'être mieux.
Alors, je soigne mon apparence. Pour s'estimer soi-même, il faut s'accepter corps et âme, et le premier est souvent plus récalcitrant que la seconde. Prendre du temps pour s'occuper de son apparence n'a rien de futile. C'est une façon de se donner du temps, de l'attention et de l'amour. Voilà. On parle de laisser aller ici, d'accord? Parfois, quand on a tendance à... Ça dépend dans quelle énergie on est, mais si on est dans des énergies qui sont plutôt basses, on a tendance à plus prendre soin de soi. Et de soigner son apparence, ça permet de soigner son âme aussi. Voilà. Je ne sais pas, de se maquiller, se coiffer, d'aller chez le coiffeur par exemple, ou de s'occuper de son corps au niveau d'un sport par exemple, ça peut être ça aussi. Soigner son apparence, voilà, pour vraiment se redonner de l'attention, de l'amour et évidemment de l'estime de soi. Voilà, ben, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous vous êtes retrouvés. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à vous en tout cas, passez une excellente semaine et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt, au revoir.